Bonjour, amis de passé présent, l'émission d'histoire de Philippe Conrad. Nous recevons aujourd'hui Henri Douailly. Henri Douailly, enseignant assistant à Saint-Cyr et conférencier à l'école d'état-major, il y a quelques années, je crois, Henri Douailly. Henri Douailly, vous êtes un écrivain, un historien très intéressé par la Seconde Guerre mondiale. On se souvient de votre De Gaulle sous le casque. On se souvient de l'effondrement en 1940. Vous avez aussi écrit sur la bataille de Crécy, autopsie d'une bataille. Alors aujourd'hui, cher Philippe, trois livres... Voilà. Il faut signaler aussi d'Henri Douailly trois livres qui fourniront la matière du débat qui va suivre. D'abord, Liban-Syrie, le mandat, 1919-1940. Ouvrage couronné par l'Académie française. Ensuite, Syrie, 1941, la guerre occultée, vichiste contre gaulliste. Ce livre a été couronné par les sciences morales, l'Académie des sciences morales et politiques. Et enfin, 1945, l'Empire rompu, Syrie, Algérie, Indochine. Et ce livre a également eu son heure de gloire, son prix du nouveau cercle de l'Union. Alors, quel est le programme de passé présent aujourd'hui? Alors, comme d'habitude, nous commencerons par notre rubrique Actualité de l'histoire, au cours de laquelle je vous présenterai, chers téléspectateurs, un certain nombre d'ouvrages. Aujourd'hui, deux ouvrages consacrés à la Révolution française, 30 journées clés de la Révolution française de Jean-Joël Bréjon aux éditions Ellipse. Et puis de Philippe Pichot-Bravard, « La Révolution française » aux éditions Via Romana, un ouvrage préfacé par Philippe de Villiers. Ensuite, je vous dirai quelques mots du dernier ouvrage de Michel Ostinck, universitaire spécialisé dans l'histoire de l'Italie contemporaine, qui vient de nous donner un Mussolini, une histoire du fascisme italien. Après cette première partie, eh bien, c'est Catherine Gourin qui prendra la suite avec sa rubrique « La petite histoire dans la grande histoire » au cours de laquelle elle nous racontera les dernières aventures et mésaventures de la fameuse et sulfureuse Mata Hari. Et puis, enfin, troisième partie de l'émission, nous aborderons le débat avec Henri Douailly. Pourquoi l'avons-nous invité aujourd'hui? Parce que c'est un spécialiste de l'histoire de la Syrie et des relations entre la France et la Syrie. Et on voit bien, dans le contexte actuel, au vu des événements de ces derniers mois, tout l'intérêt de cette question. Mais là, donc, nous partons dans la Révolution française. Oui. Alors, c'est un sujet... qui a été tellement débattu, oui. Il y a eu tellement de niveaux de lecture différents. Voilà. Qu'apportent ces petits livres. Un sujet qui, effectivement, fait débat, encore aujourd'hui, bien sûr. Cela fait deux siècles que cela dure. Vous savez, la Révolution était à peine commencée que déjà l'anglais Burke nous proposait ses considérations sur la Révolution française, qui était celle d'un anglais libéral du parti Whig, mais très critique sur ce qui se passait en France dès les années 80. 1990. On a vu également à l'époque des intellectuels allemands comme Kant, comme Fichte donner leur avis favorable à la Révolution française. Et puis ensuite, on a vu l'abbé Baruel à la fin des années 1990 nous expliquer quel était le résultat d'une conspiration maçonnique. Au fil du temps, des auteurs comme Joseph de Maistre, par exemple, nous ont donné une lecture providentialiste de la Révolution française. Et puis, avec le Michelet temps, bah, bien sûr, il faut penser à Michelet, qui en a fait une véritable épopée, qui venait s'inscrire dans la continuité de son histoire de France, et puis son histoire du peuple de France. Et puis alors, nous allons avoir aussi d'autres grands penseurs du XIXe siècle qui vont apporter leur regard sur la Révolution. Je pense notamment à des auteurs comme Tocqueville ou comme Hippolyte Taine. Bonald, vous citiez Bonald. Oui, Bonald fut aussi, Louis de Bonald fut aussi, dans le même registre un peu que Joseph de Maistre, fut aussi l'un des penseurs de la contre-révolution à l'époque de la Restauration. Et puis quand la Révolution a finalement triomphé, si l'on veut, un siècle plus tard, dans les années 1880, quand la République est solidement installée, d'abord il y a une lecture de la Révolution qui va s'imposer à travers l'école, c'est la lecture du
petit Lavis, bien sûr. Et qui s'accompagne d'une occultation complète de la France de l'Ancien Régime. Bien sûr. Et de la monarchie. Bien sûr. Et ces républicains qui ont triomphé, ils vont même se diviser entre eux. On va voir Hollard défendre Danton, on va voir Albert Mathiez se faire le défenseur de Robespierre. Tous ces débats vont encore se développer au XXe siècle. Et alors, qui a gagné entre Danton et Robespierre? Je vais vous répondre dans un instant, hein, car tous ces débats vont se développer donc au XXe siècle avec notamment la victoire de la révolution russe qui s'inspire directement de la révolution, hein, qui s'inspire de Marat, de la Commune insurrectionnelle de Paris. Alors, qui a gagné entre Hollard et Mathiez? Dans un premier temps, au XXe siècle, on a l'impression que c'est Mathiez, parce que le poids de l'idéologie communiste est tellement fort jusqu'aux années 1980 que c'est cette lecture-là qui domine, et c'est Robespierre qui apparaît comme le héros par excellence de la Révolution. Mais le pauvre Danton, lui-même, a vu sa réputation quelque peu écornée. On se souvient du film de Vajda qui égratignait fortement le personnage. Tout ça allait de pair avec un ouvrage de Frédéric Bluch sur Danton qui remettait les choses au point. Je voudrais vous signaler que tous les leaders indépendantistes font référence très puissamment à la Révolution, Ho Chi Minh, Ferhat Abbas et Jamin Mardam Bey. Tous les trois font référence à la Révolution et nous la renvoient au visage. Bien sûr, elle fut pendant très longtemps, pendant plusieurs générations, un véritable modèle politique et idéologique et diverses régions du monde. Pas toujours pour le mieux. Pas toujours pour le mieux, mais ce débat historique, on sait comment il a évolué aussi au XXe siècle. Pendant très longtemps, nous sommes restés justement dans une certaine langue de bois, des Mathiez, Lefebvre, Soboul, Vauvel, qui étaient au moins influencé, c'est quand ça n'était pas davantage par l'idéologie communiste. Il y a eu la réaction qui est venue avec François Furet et qui a permis effectivement d'apporter une lecture nouvelle. Je pense aussi aux travaux de Mona Ozouf qui sont venus apporter une lecture nouvelle des événements. Et qui ont permis de contester le mot fameux de Clémenceau. La Révolution est une. Voilà, la Révolution est un bloc. Avait exprimé Clémenceau. On prenait tout, on ne prenait rien. Bon, il apparaît aujourd'hui clairement que la Révolution, c'est ce qu'avait expliqué un Jacques Gauthier, par exemple, qui s'inscrivait dans un courant de fond de réforme qui caractérisait ce que Gauthier appelait les révolutions atlantiques, révolution anglaise, américaine, puis française, hein, avec une monarchie constitutionnelle, avec toutes les grandes réformes introduites par la Constituante. Eh bien, il y avait eu ensuite le dérapage de 1793, le dérapage montagnard, le dérapage terroriste, et également une révolution qui, après avoir déclaré la paix au monde en 90, déclarait la guerre aussi à la terre entière et semait le trouble en Europe pour près d'un quart de siècle. Donc, un événement qui a fait l'objet de très nombreux débats. Les choses continuent. D'ailleurs, le petit ouvrage de Philippe Bichot-Bravard s'inscrit tout à fait dans cette vision conflictuelle de la Révolution française, puisque très clairement, il nous en propose une critique tout à fait cohérente, tout à fait construite, en s'inspirant notamment de la lecture chrétienne des événements en question. Rappelons qu'il y a une préface de Philippe de Villiers. De Philippe de Villiers, pour ce petit ouvrage. Hein. Alors, je présente rapidement les ouvrages en question. Les 30 journées clés de la Révolution française de Jean-Joël Bréjon. Il s'agit d'un petit livre, d'un petit manuel, très intelligemment composé. L'auteur évoque chacune des 30 journées retenues. Il y a bien sûr les grands classiques, la nuit du 4 août, bataille de l'assassinat de Marat, etc. Et puis d'autres choses moins connues comme par exemple la fête organisée autour de l'être suprême, les événements qui interviennent aussi en Vendée, avec la guerre civile qui commence en 1793, le débarquement de Quiberon. En 30 séquences, en 30 fiches, en quelque sorte, nous avons une vision très complète de la Révolution sur le plan événementiel, mais en plus, nous avons une vision très intelligente, parce qu'en plus de la fiche elle-même, il y a soit des témoignages d'acteurs contemporains, d'acteurs de cette époque, soit
des interprétations, des jugements portés par des historiens dont les vues peuvent être par ailleurs contradictoires. On retrouve aussi bien Michelet que Mathiez, que Furet, que Tullard dans ces jugements portés sur l'événement concerné. Ce petit ouvrage donc m'apparaît comme une excellente introduction à l'histoire de la Révolution pour quiconque a envie d'en savoir un peu plus. Et aujourd'hui, je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, car il faut bien constater que le naufrage de notre système d'enseignement fait que c'est une période qui est très largement méconnue. Où en est l'éducation nationale avec l'enseignement de l'histoire de la Révolution ? Vous savez, Catherine, les gens de ma génération, la Révolution, ils la connaissaient bien parce qu'en classe de seconde, on y passait pratiquement 4 mois. Hein, le volume de classe de seconde du Marie-Isaac sur la Révolution, on avait vraiment tout ce qui était nécessaire pour s'y retrouver, pour comprendre des choses. Alors avec évidemment des a priori. Et des occultations voilà, concernant par exemple la Vendée qui vient exemple, de se réveiller. Avec la Vendée faisait une demi-page. Hein, et alors là, il n'était pas question d'évoquer les colonnes infernales de Thurot, bien entendu. On a vu, si vous voulez, se réveiller la question vendéenne, en gros, à la faveur du bicentenaire. Il y a eu un colloque international organisé à La Roche-sur-Yon par Philippe de Villiers avec tous les spécialistes mondiaux de la question. Ça a été vraiment un événement majeur en 1993. Et sur ce terrain-là, les choses ont beaucoup bougé. Il y a eu la visite de Solzhenitsyn au Luxembourg-Boulogne, c'était l'année suivante, je crois, ou en 1995. Il y a maintenant l'histoire de l'insurrection vendéenne a repris toute sa place dans l'histoire de la Révolution. Et même au-delà de la Vendée, toutes les dissidences, toutes les oppositions régionales, provinciales qui se sont manifestées ont maintenant droit de cité. Il y a toute une histoire de la contre-révolution qui avait démarré avec Jacques Gottschalk, qui a été poursuivi avec Jean Tullard notamment, qui a accompli un travail considérable. Je vous interromps, mais si je peux me permettre, il y a eu ce développement sur la Révolution qui s'est accompagné d'un autre phénomène tout à fait surprenant, qui a été l'occultation totale de l'Ancien Régime et de ce qu'avait été l'administration monarchique, par exemple, pendant 1000 ans. Oui. Cette occultation était caricaturée. Tout à fait. En ce qui concerne l'Ancien Régime, ce qui était diffusé, par exemple, dans l'enseignement primaire, était absolument, absolument consternant. Il y a eu, bien sûr, une réaction contre tout cela. Je pense, par exemple, au livre de Pierre Yaxot sur le siècle de Louis XV, mais surtout à l'université, toute la réaction qui s'organisait avec des gens tels que Roland Mounier et ceux qui étaient ses proches, les Pierre Chaunu, Yves-Marie Bercé, Jean-Christian Petit-Fils maintenant, bien sûr. Il y a eu toute une relecture nouvelle de l'Ancien Régime qui, sur le plan universitaire, académique, a fait la part des choses. Cela dit, dans le grand public, beaucoup de confusion, beaucoup de partis pris, beaucoup de préjugés et d'idées reçues demeurent. Et il y a encore un travail considérable dans ce sens, non pas pour réhabiliter l'Ancien Régime, ce n'est pas la question qu'il faut se poser en histoire, mais pour en donner une vision juste et exacte. Mais de nos jours, l'éducation nationale prend position de façon extrêmement forte et inquiétante. L'éducation nationale prend position non pas tant sur l'histoire de la Révolution, qu'une quasiment plus enseignée sérieusement dans l'enseignement secondaire, qui ne tient plus qu'une place relativement marginale dans les études supérieures également. En revanche, la Révolution reste un modèle. Un modèle idéologique. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire un texte de notre actuel ministre de l'Éducation nationale, M. Peillon, texte publié dans un ouvrage qu'il a signé en 2008 aux éditions du Seuil, qui s'appelle « La Révolution française n'est pas terminée », le titre étant lui-même tout un programme. Voici ce que nous dit Vincent Peillon. « La Révolution française est l'irruption dans le temps de quelque chose qui n'appartient pas au temps. C'est un commencement absolu. C'est la présence et l'incarnation d'un sens, d'une régénération et d'une expiation du peuple français. 1789, l'année sans pareille, est celle de l'engendrement par un brusque saut de l'histoire d'un homme nouveau. »
La révolution est un événement métahistorique, c'est-à-dire un événement religieux. La révolution implique l'oubli total de ce qui précède la révolution. Et donc, l'école a un rôle fondamental, puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qu'opère dans l'école et par l'école cette nouvelle église, avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses tables de la loi. Voici la vision que nous propose de la Révolution notre actuel ministre de l'Éducation nationale. C'est dire à quel point la question demeure d'actualité. C'est pas du lavage de cerveau, ça c'est pas un nouveau bréviaire. Ça m'évoque d'ailleurs un mot. Pendant longtemps, il s'agissait de l'instruction publique. Oui. Et maintenant, c'est l'éducation nationale. C'est dire la possession des enfants que prétend imposer l'État. Qui n'est plus beaucoup nationale. D'ailleurs, l'éducation qui est l'éducation citoyenne, passant par toutes les... De l'instruction à l'éducation, il y a quand même tout un mouvement qui est inquiétant. Il y a une signification, très forte dans ce virage sémantique, évidemment. Vous nous faites froid dans le dos, cher Philippe Conrad. Alors, on va peut-être passer au autre sujet. Deuxième livre que je voulais vous présenter, Mussolini, une histoire du fascisme italien. C'est un ouvrage de Michel Ostinck. Michel Ostinck est un universitaire de très haute pointure qui a réalisé une thèse consacrée à l'histoire de l'éducation dans l'Italie fasciste, qui a donné il y a quelque temps une biographie remarquable du comte Ciano, le gendre de Mussolini, et qui prépare un autre ouvrage sur les hommes de Mussolini, où il va analyser les personnalités des proches. Alors, ce livre... Mussolini, une histoire du fascisme italien. En quoi apporte-t-il du nouveau ? Nous avons eu déjà des spécialistes de cette période. Je pense à Serge Bernstein, par exemple, à Pierre Milza. Je pense à Paul Guichonnet. Là, nous avons affaire à un travail qui s'est largement inspiré des nombreuses découvertes ou orientations nouvelles que l'on a pu constater en Italie au cours des dernières décennies, avec notamment les travaux célèbres de Renzo De Felice, qui a totalement renouvelé l'histoire du fascisme, qui en a donné une lecture complètement différente de l'interprétation assez sommaire qui en était donnée jusque-là. Et puis derrière Renzo De Felice, d'autres historiens comme Emilio Gentile aussi ont contribué à ce renouvellement, et nous en avons aujourd'hui les échos en France, avec le remarquable travail de Michel Ostinck. Il inscrit Mussolini dans toute une continuité de l'histoire italienne. Il ne réduit pas cette expérience politique à l'image caricaturale qui en a été souvent donnée dans le contexte qui était celui de l'antifascisme à l'époque, bien sûr. Et puis, il ouvre des pistes nouvelles. Par exemple, les rapports assez étonnants entre le Duce et le parti, qui sont des rapports assez compliqués. Et c'est là que l'on découvre, un travail anglo-saxon récent l'a montré également, que les Italiens étaient globalement très favorables à Mussolini, à la personnalité, à ce qu'il représentait, en même temps plutôt hostile au parti qui était censé le soutenir. Les fameux hiérarques, eux, bénéficiaient d'une assez grande impopularité. L'ouvrage de Michel Ostinck insiste également sur des aspects souvent méconnus concernant justement la politique de l'éducation, la politique culturelle menée par le régime. Il insiste également sur la propagande, sur les conditions dans lesquelles s'est cristallisé au cœur de la guerre et au lendemain de la guerre le premier fascisme, la première génération du fascisme. Tout cela fait que nous en tirons une vision tout à fait renouvelée de cette période, en dehors des œillères habituelles. Et je conseille fortement à nos téléspectateurs qui s'intéressent à l'histoire de l'Italie, je leur conseille fortement de se référer à cet ouvrage qui, incontestablement, fera date. Donc on peut écrire sereinement sur Mussolini maintenant. Le temps est suffisamment passé pour qu'on puisse... Crois.
Je crois que c'est tout à fait clair. Il y a des questions qui, pendant longtemps, ont été des questions traitées sur un mode passionnel, et c'était naturel, étant donné ce qu'avait été l'histoire conflictuelle de notre XXe siècle. Mais je crois, par exemple, que sur l'Italie mussolinienne, sur la guerre d'Espagne également, les choses ont beaucoup évolué, ont beaucoup bougé. Hein, il y a d'autres sujets. Il reste des ombres. Oui. L'Éthiopie, en particulier, fait beaucoup de mal à l'Occident dans tout le monde arabe. Et ça n'a pas été effacé. L'intervention en Éthiopie de 1935-36. C'est ça. Les pays arabes ne nous ont pas, n'ont pas pardonné à l'Europe, la France, l'Angleterre en particulier, de ne pas avoir empêché cette opération. Oui, mais en même temps, voilà des pays qui étaient bien mal placés pour s'indigner des ambitions coloniales italiennes. Soit. C'est vrai. Mais c'est une chose qui a fait en particulier l'Éthiopie, puisqu'on va parler de la Syrie. Je veux dire que c'est une chose qui revient de façon récurrente. Sujet qui pourrait faire l'objet d'une nouvelle émission de Passé Présent. Eh bien, je crois qu'après une courte pause, nous vous retrouvons, amis auditeurs et téléspectateurs. Nous allons maintenant aborder la deuxième séquence de notre émission. La rubrique « La petite histoire dans la grande histoire ». Et je me tourne vers Catherine Gourin, qui va nous raconter la suite des aventures de Matahari, dont elle nous a déjà entretenu au cours des deux dernières émissions. Eh oui, cher Philippe, j'avais laissé Matahari avec son mari Rudolf MacLeod et un petit bébé de 3 mois sur le bateau Princesse Amalia qui est parti d'Amsterdam le 1er mai 1897. Il mettait le cap sur Java puisque l'officier MacLeod rejoignait son poste dans ces Indes néerlandaises. Le voyage se passe sans difficulté. On peut imaginer que c'était un voyage fort long avec effectivement un nouveau-né, mais enfin bon, ça se passe bien. Et la future Matahari, que je vais continuer à appeler Margaret, parce qu'elle n'est pas encore Matahari, elle est Marguerite pour le moment, a beaucoup, beaucoup d'espoir dans cette installation à Java. Elle se voit briller en société, être invitée à des bals, à des réceptions. Et catastrophe, parce que le premier endroit où ils sont affectés s'appelle Arambawa. C'est au milieu de Java, c'est dans un coin absolument perdu. Encore actuellement, le seul intérêt culturel de l'endroit, c'est un musée du chemin de fer. Donc vous voyez que ce n'est pas vraiment l'endroit mondain par excellence. Donc, choc de la chaleur, choc des bestioles, des moustiques, etc. Puis surtout de la solitude, parce qu'il n'y a pas de vie mondaine du tout. Donc elle s'ennuie et commence à se dire « c'était pas ce que je pensais ». Heureusement, assez vite, ils sont nommés sur la côte, dans un endroit qui s'appelle Toamboeng, qui est actuellement une station estivale avec des beaux hôtels. Et donc là, la vie est beaucoup plus agréable. Il y a une communauté néerlandaise, elle a enfin une vie un petit peu mondaine. Et ce qui se passe très bien pour elle, c'est que le mari, au joie, est nommé au nord de Sumatra, c'est-à-dire fort loin. Et donc il laisse sa femme et ses 2 enfants, parce qu'entre-temps, elle a eu une petite fille le 2 mai 1898. Donc elle a un bébé d'un an et un petit bébé, un petit nouveau-né. Le mari les installe chez des Hollandais qui sont de fort bonne composition parce qu'ils vont accueillir cette famille. Et le mari, MacLeod, ne va jamais donner un centime. Avec tous ses défauts, il était avare en plus, Rudolf. Donc il part dans le nord de Sumatra et sa seule participation à la vie de sa famille consistera à écrire des lettres de 30 pages ou rempli de reproches et de méchanceté, surtout. Il est jaloux comme un tigre. C'est vrai qu'elle joue un peu les coquettes, hein, disons-le. Elle a un succès fou, parce que d'abord, elle est très belle, elle est seule, elle est un petit peu aguichante, disons-le, et elle découvre la vie culturelle, entre guillemets, de Java, c'est-à-dire qu'elle va commencer à s'habiller avec des sarongs. Elle va à des spectacles de danse, elle apprend même quelques mots de javanais, elle écoute beaucoup de musique.
Et évidemment, cette créature de rêve qui fait 1m76, n'oublions pas, ce qui est énorme pour l'époque, habillée en sarong, donc à demi-nu, dans les rues de Toenbang, ça, elle a beaucoup, beaucoup de succès. Le mari s'énerve à distance, et encore, il ne sait pas tout ce qui se passe. Ses lettres sont très curieuses. Je vous ai dit la dernière fois, il avait la manie de recopier à la main tous les courriers qu'il envoyait. Donc, on a absolument tout sur ce qu'il lui écrit. Alors, de temps en temps, c'est un petit peu intéressant. Il écrit, par exemple, « Hier, les autorités de Sumatra ont tué 937 chiens parce qu'il y avait la rage. » Mais je te rassure, notre bon chien Blackie est à l'abri chez nous. Bon, ça, c'est une petite note un petit peu intéressante. Le reste du temps, ce sont des reproches. Occupe-toi bien des enfants. Pourquoi le petit Norman John, donc leur petit enfant, aime-t-il autant faire les câlins? Je suis sûre que c'est toi qui lui apprends à être aussi mou et féminin. Il n'avait pas été touché par la théorie du genre, hein, Rudolf MacLeod. Il voulait que les garçons soient élevés comme des garçons, les filles comme des filles. Bon. Enfin, elle laisse courir, ça l'agace, et un jour, elle doit quand même rejoindre son mari. Vraiment à regret, donc elle va jusqu'à Sumatra, à Medan, la ville de Medan, au nord de Sumatra. Et là, enfin, elle a la vie dont elle rêve, c'est-à-dire qu'elle est la femme du chef de poste, puisqu'il est devenu commandant, il était capitaine, il est devenu commandant, il est l'officier le plus haut à cet endroit-là, donc elle reçoit beaucoup, elle est heureuse. Mais ça va durer un mois et demi, parce qu'il va y avoir un drame épouvantable, ses enfants vont être empoisonnés, le petit garçon va mourir, il a 2 ans et demi, et la petite fille va s'en sortir d'extrême justesse. Alors, qui a empoisonné les enfants? On n'a jamais très bien su, l'enquête n'a pas abouti. On pense que c'est la nounou javanaise qui était, en plus d'être la nounou, et donc la babysitter, qui était la maîtresse de Rudolf MacLeod depuis qu'il était arrivé, et qui a été jalouse de voir la femme en titre arriver, ou que c'est l'amant javanais de cette nounou qui, par jalousie, s'est vengée. En tout cas, le petit garçon meurt et ça sera un drame absolu dans cette famille qui aurait peut-être une chance de s'en sortir. Comble de l'horreur, ils vont être nommés de nouveau à Java, dans un coin encore pire que Ambaraba, un coin alors là complètement encaissé, où la chaleur est étouffante et où là il n'y a rien du tout. Et le Rudolf MacLeod va battre son propre record en écrivant une lettre de 48 pages, non pas à sa femme qui est à côté de lui, et de toute façon il ne se parle plus, mais à un ami qui est en Hollande, et il raconte la vie dans ce trou perdu. C'est assez effrayant. Il dit qu'un lieutenant, par exemple, est devenu fou au bout de 3 mois de solitude et tout ça. Donc ça se passe très mal. La future Mata Hari attrape la typhoïde en plus, et vraiment, il y avait des raisons d'en mourir, elle s'en sort in extremis. Quelle est la réaction de Rudolf? Pratiquement aucune, ça lui a coûté cher en médicaments, c'est tout, voilà. Ce couple part à la dérive, lui apprend qu'il ne sera jamais colonel, que sa carrière est terminée, donc il décide sagement de rentrer en Hollande, avec des insultes absolument hallucinantes en public, y compris sur le bateau. Il la traite de puante scélérate, il la traite de putain, tout simplement, il la traite de vampire, les insultes volent bas. Dès qu'ils arrivent en Hollande, d'ailleurs, il disparaît avec la petite fille. Elle arrive à le faire condamner un mois plus tard par le tribunal des affaires familiales. Il devrait payer 100 florins par mois, et laisser la petite fille à Magritte, mais ça ne sera pas le cas, elle ne reverra quasiment jamais, jamais sa petite fille, qui, note triste, va mourir à 21 ans de ce qui ressemble à un AVC, on la trouve morte un matin, alors qu'elle doit s'en aller aux États-Unis comme institutrice, et sur sa tombe, il y a simplement marqué ses dates, et à notre nonne, puisque c'était son petit nom, ce qui voulait dire petite fille en malais. Donc c'est un petit destin, là, comme ça, un an après la mort de sa mère, la petite fille disparaît à son tour. Mata Hari se retrouve en Hollande sans rien, elle n'a pas d'argent, mais elle va en emprunter, et elle décide d'attaquer Paris.
Et ça, on verra ça la prochaine fois. La suite au prochain numéro. Merci Catherine. Nous nous arrêtons pour une petite interruption avant de nous retrouver dans un instant avec notre invité Henri Dewey. Nous allons aborder à présent la troisième partie de l'émission avec notre invité Henri Dewey. Et il sera question d'un sujet ô combien d'actualité, la Syrie. Henri Dewey, vous avez publié récemment donc trois ouvrages consacrés à l'histoire de la Syrie pendant l'entre-deux-guerres, à l'occasion de la guerre de l'été 1941, et puis au moment des événements de 1945. Donc vous êtes particulièrement habilité à revenir sur l'histoire des relations franco-syriennes, dont on sait qu'elle traverse une période aujourd'hui un petit peu compliquée, mais selon notre démarche habituelle, eh bien nous pensons que c'est en nous penchant sur l'histoire que nous pouvons éclairer les questions qui se posent aujourd'hui. Alors, les relations entre la France et la Syrie, c'est une longue histoire. Nous n'allons pas remonter aux croisades à l'époque des royaumes latins de Terre Sainte, mais nous étions déjà présents en Syrie à l'époque. Il y a quelques vestiges, même là-bas, tout à fait spectaculaires. Oui. On pense évidemment au krach des chevaliers. Non, nous allons commencer avec l'intervention française en Syrie et au Liban de 1860. Que s'est-il passé à ce moment-là et qu'allait faire la France en cette région? Nous sommes au mi-temps du Second Empire. Eh bien, il faut resituer le décor rapidement. Ce sont des régions qui sont sous la domination de l'Empire ottoman depuis plusieurs siècles. Et l'Empire ottoman n'est pas une administration, c'est pratiquement une exploitation fiscale. On ne construit pas de route, on construit quelques forteresses parce que c'est une occupation militaire, mais ça n'est pas une colonisation, c'est vraiment une oppression et un appauvrissement des pays qui sont habités, qui sont gouvernés ou dominés par l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, il n'y a pas de cadastre, il n'y a pas de frontières, c'est quelque chose d'extrêmement primitif. Et dans cette région qui est un carrefour du monde, il y a des populations extrêmement hétérogènes. Il y a 17 religions, il y en a peut-être plus, mais enfin 17 religions que l'on connaît. Et tout ça se passe de façon assez chaotique. Et puis en 1860, une minorité chrétienne qui est restée chrétienne depuis le royaume de Jérusalem, les Maronites, qui ont toujours entretenu des liens avec la France, au point qu'il y a là-bas des religieux français nombreux et qu'ils ont des liens économiques importants avec Lyon, car ils produisent de la soie. Et ces liens permettent aux Maronites de respirer. C'est une population plutôt plus évoluée que les autres, si bien que, malgré qu'elle soit tenue sous le boisseau, tenue à des convenances vestimentaires, enfin, il y a tout un code, elles sont l'objet d'une jalousie importante de la part des minorités, des autres minorités qui l'entourent, et qui sont en particulier les Druzes. Et en 1860, à la suite de différents conflits locaux, tout d'un coup explose un massacre. Et les Druzes se jettent sur les chrétiens et commencent à les tuer en masse. Les chrétiens se défendent, donc il y a les morts des deux côtés, comme ils sont en position de faiblesse, les Arabes se mettent à leur tour du côté des Druzes et se mettent également à massacrer les villages entiers, réunir les gens dans des forteresses, par exemple comme Rachaya, où on les groupe pour finalement les massacrer. C'est extrêmement scandaleux. Et ces massacres se développent vers Damas, et où il y a une population chrétienne importante, et les massacres de chrétiens à Damas deviennent tellement épouvantables que l'écho en arrive en France, en Europe. Est-ce à ce moment-là que certaines maisons chrétiennes sont marquées d'une croix noire? Exact, oui, absolument. C'est terrifiant. Absolument, c'est terrifiant. Et ils sont, comme l'habitude le veut, jetés du haut des terrasses, coupés en morceaux,
enfin, passons sur les détails qui sont abominables. Les cadavres sont laissés dans les rues, enfin, c'est quelque chose d'affreux. Les puissances européennes, je vais essayer de faire rapidement, les puissances européennes se réunissent à Paris, c'est-à-dire la Prusse, l'Angleterre, l'Italie, pas l'Italie, elle n'existe pas, la France et puis, je ne sais plus, enfin, les grandes puissances européennes, et on décide d'une mission d'interposition. Et comme les Français ont des intérêts importants là-bas et que beaucoup de baronnies parlent le français, on décide que la France va envoyer une mission d'interposition. Ça n'est pas une mission coloniale. Il s'agit d'aller là-bas pour interrompre les massacres. C'est tout à fait comparable à ce qui se passe actuellement à Bamako. Il faut séparer des gens qui s'entretuent. Alors le général Lodepoule est chargé d'aller là-bas et il s'y précipite avec une armée qui arrive alors que les massacres sont à peu près terminés. Mais il va ramener la paix et surtout, il va nourrir les gens, car ils meurent de faim et vivent dans une misère épouvantable. Voilà ce que l'on peut dire sur 1860. Alors, après cette intervention humanitaire, si l'on peut dire, oui, avant la lettre, on voit se développer les intérêts français dans cette région syrienne de l'Empire ottoman, spécialement à la fin du XIXe siècle. C'est le moment aussi où les Allemands sont très présents avec leur chemin de fer de Bagdad. Cette présence française, est-ce qu'elle a des retombées politiques? On sait par exemple qu'une réunion de républicains syriens s'est tenue à Paris à la veille de la Première Guerre mondiale. Faut-il voir là un soutien de la France à la cause des républicains arabes contre le sultan ottoman? Non, on ne peut pas dire ça. Ça n'est pas un acte d'hostilité envers les Ottomans et contre les Ottomans et contre Constantinople. C'est un geste d'accueil pour un mouvement républicain auquel la France républicaine est elle-même tout à fait favorable. Il faut souligner là que c'est déjà le noyau des contradictions de la société syrienne, que vous avez là une élite réfléchie, intellectuelle, qui a fait des études de droit, souvent à Paris, souvent à Sciences Po. Beaucoup d'élèves de Sciences Po syriens nous combattront par la suite, comme Jamil Mardambe, qui est un grand héros là-bas. Cette élite républicaine, libérale, syrienne, passionnée de politique, en fait, pratique sur le terrain, continue les traditions d'une société féodale. Et vous avez, c'est pas un prolétariat paysan, il n'y a pas de prolétariat industriel, les prolétariats, qui est à l'état de vassalité, car les dettes des paysans sont telles qu'elles ne peuvent pas les rembourser et elles sont attachées éternellement à leur terre. Si bien que là, on voit déjà cette scission qui se passe entre un peuple syrien réduit absolument à une vassalité étroite et à l'inculture et cette élite syrienne passionnée de politique et qui sont en général des avocats. Et où, au sein de laquelle l'influence française est déjà assez forte. Oui, l'influence française se développe beaucoup parce que les instituts, les jésuites et les écoles françaises sont déjà très nombreuses. À la suite de 1860, la France a obtenu des avantages pour les chrétiens, un statut particulier. Et donc beaucoup de gens parlent français là-bas. Et la France demeure un modèle. Mais pour les maronites, la France est un endroit idéal puisque nous ne remontons pas trop loin. Mais enfin, depuis François Ier et Louis XIV, ce qu'on appelait les échelles, permettait un contact tout à fait privilégié avec la France. Les échelles, un mot d'explication. L'échelle, ça veut dire scala, ça veut dire le quai, en fait. Et vous aviez différents ports, dont celui de Saïda, qui vient d'être restauré, qui est magnifique, qui était des factoreries, en fait, qui est un bâtiment dans lequel il y a les entrepôts, où habitent les Français, et qui peuvent assurer les échanges, et les bateaux peuvent venir là et prendre la soie et différents autres biens. Ajoutons une chose, c'est qu'il y a là un tribunal, car les Français ne relèvent pas de la justice ottomane, mais de la justice française des échelles. Les échelles, ce sont des factoreries, c'est vraiment ça. Alors les choses vont changer avec la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman
s'est rangé dans le camp des centraux. Les Anglais soutiennent en Arabie Lawrence d'Arabie et la révolte arabe des Hachémites du Hedjaz. Les Français, eux, regardent avec beaucoup d'intérêt ces régions de Syrie où ils ont des intérêts économiques, du Liban où il y a une communauté qui leur est très favorable, où leur influence culturelle est déjà très forte. Et finalement, eh bien, cela va nous amener à ce qu'il est convenu d'appeler les accords Sykes-Picot de mai 1916. L'anglais Mark Sykes, le français Georges Picot vont secrètement, il faut le préciser, s'entendre pour se partager le croissant fertile, pour se partager la partie jugée utile des régions arabes de l'Empire ottoman. Oui, il va se passer assez ce qui s'est passé également en Afrique, c'est-à-dire que Sykes-Picot et Georges Picot travaillent au Caire ensemble. Alors que la guerre se déroule et que ces pays sont encore occupés par les Ottomans, il y a une grande carte. Et vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Avec des grands traits bleus et rouges, ils vont se découper, saucissonner le pays. Et à la fin de la guerre, lorsqu'il va y avoir les accords de Versailles, de Saint-Cloud, enfin toute une succession d'accords, ceux qu'avaient conclu indépendamment de Paris et de Londres, Georges Picot et Sykes, va être appliqué, et n'entrons pas dans les détails, nous allons avoir une partie de la Syrie, et les Anglais vont avoir la Palestine et l'Irak. N'oublions pas, c'est important de le dire, que les Anglais ont les Indes, bien entendu, ils ont Bassora, qui est dans le bas de l'Irak, et pour eux, ils rêvent qu'un royaume arabe, que l'influence anglaise couvre complètement les pays arabes, et qu'il y ait une sorte de boulevard qui se passe entre le Caire et les Indes. Donc les Français sont un caillou dans leurs souliers. Et l'hostilité qu'ils nous ont toujours montrée, l'Occident et les autres, ne va cesser de se développer. Et il faut comprendre que la politique de Londres vis-à-vis de Paris sera favorable à l'installation des Français, mais la politique du Colonial Office, qui est une sorte d'administration extérieure, elle va être clairement hostile aux Français. C'est ça, c'est-à-dire que nous étions alliés pendant cette guerre sur le front de la Somme ou des Flandres, mais nous étions clairement rivaux au Proche-Orient, où l'on a d'ailleurs beaucoup oublié les Français qui, comme le colonel Brémond, le commandant Pisani, ont combattu aussi dans le cadre de la révolte arabe. Finalement, toute la gloire de cet épisode est revenue au prestigieux Lawrence d'Arabie, mais les Français ont été un petit peu oubliés dans cette affaire. Oui, et je voudrais ajouter rapidement un détail, c'est que si Allenby a fait cette campagne puissante et réussie, c'est grâce aux Français. Et on l'oublie toujours parce que les Français ne sont pas marins. Mais il ne faut pas oublier que c'était des navires français qui surveillaient la côte et qui bombardaient la côte. Et donc la seule route praticable entre le nord et l'Égypte. Et les Ottomans ont été obligés de passer dans le désert où Allenby les a écrasés. Mais s'ils sont passés dans le désert, c'est grâce aux Français qui interdisaient la route côtière. Ouais. C'est un point important qu'on oublie souvent. Ben, on l'avait d'ailleurs vérifié au tout début de 1915, quand les Turcs ont voulu s'avancer vers le canal de Suez. Ils ont été stoppés, notamment par le feu de navires français qui se trouvaient au large des côtes du Sinaï. Alors, les accords Sykes-Picot, les traités de 1919, la conférence de San Remo en 1920, donc Français et Anglais se partagent la région. Cette rivalité demeure cependant, et on va la voir réapparaître à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, cette rivalité franco-anglaise. Absolument, oui. Sautons rapidement sur ces 20 ans de mandat. Disons simplement que... Un bilan peut-être en quelques mots. Quand même, il y a quand même des très grands noms pendant ce mandat. Pensez au général Gouraud. Absolument, mais... Pensez à Sarraille. Je voulais faire quelque chose d'extrêmement concis sur cette époque. Sur le plan politique, le mandat français va être, disons-le, chaotique
et un échec. La France ne saura jamais comment gouverner ses pays, comment les guider vers l'indépendance, car c'était un mandat, ça n'était pas une colonie. Mais ce mandat, la mission du mandat, est oubliée par la France qui considère la Syrie comme les colonies. Abidjan ou Damas, vu de Paris, c'est pareil, ce qui est une grave erreur, car ce sont des pays développés. Et une France qui s'inquiète que l'indépendance accordée à la Syrie, évidemment, ne soit un modèle très dangereux pour l'Afrique du Nord. Voilà, absolument. Mais ce que l'on peut dire de façon très simple et très globale, c'est que si sur le plan politique, il y a eu la guerre des Druzes, il y a eu des mouvements épouvantables, des soulèvements contre les Français, sur le plan politique, on n'a jamais su s'y prendre et on a été, on leur a souvent menti. Enfin, on a eu une très. Par contre, disons-le, sur le plan de l'administration locale, ça a été indiscutablement un succès. Quand la France va s'en aller dans des conditions très douloureuses, puisque la fête nationale syrienne célèbre le départ du dernier Français, c'est vous dire que sur le plan politique, ça n'est pas un triomphe, on l'oublie rapidement. Mais il faut dire que lorsque nous sommes partis, la Syrie était un pays qui était riche, avec de bonnes infrastructures. L'exposition de Damas de 1936 avait ébloui tous les pays de la région qui s'étaient rendus compte que aussi bien l'industrie que les productions agricoles étaient tout à fait remarquables. Les trains arrivaient à l'heure, il y avait des routes, il y avait des téléphones. Air France qui partait en Indochine s'arrêtait là. Il y avait eu la croisière jaune. Enfin, je veux dire, c'est une période qui était très belle sur le plan. Et sur le plan politique, on leur a laissé un régime qui tenait le coup. Un bicamérisme, c'est-à-dire un Sénat, etc. C'était un peu sur la Constitution française, et tout ça est tombé ensuite en quenouille, comme on le voit aujourd'hui. Mais quand la France est partie, d'abord, elle n'a pas laissé un affreux abcès comme les Anglais l'ont fait en laissant la question juive derrière eux, question qui n'est, Dieu sait, pas réglée aujourd'hui. Nous sommes partis en laissant un pays qui était équilibré, qui était représenté à l'ONU, et il n'y a pas à rougir finalement de l'héritage que nous avons laissé, sinon la politique que nous y avons menée. Et alors, pour revenir sur les épisodes de 1940-1941, que s'est-il passé à ce moment-là ? Très simplement, les Anglais étaient très occupés en Égypte par l'attaque de Rommel. Mmh. N'oublions pas que les Allemands, dans le Nord, avaient atteint le Caucase. Mmh. Et donc, les Anglais et Churchill avaient peur que le Moyen-Orient soit pris en tenaille par le Nord et par l'Ouest. En plus, à Bassora, en Irak, il y a eu un soulèvement d'un certain Rachid Ali, et les Anglais ont senti que non seulement leur pétrole était menacé, mais également Bassora, par lequel arrivaient les troupes des Indes. Voilà. Donc c'était une menace extrêmement violente. Or, à ce moment-là, de façon tout à fait surprenante, Churchill va décider d'attaquer la Syrie. Pourquoi ? Parce que les Allemands demandent à Vichy, il faudrait quand même être un peu plus précis, le 13 septembre 1940, le régime du maréchal Pétain arrête Pierre Laval. On l'a oublié. Le 13 décembre. Et on l'envoie chez lui à Châteldon comme un prisonnier. Il est bon. Les Allemands sont furieux, car Laval est déjà très favorable à une collaboration qu'il va développer plus tard. Et donc il cesse absolument toute intervention et toute relation avec la France. Personne ne passe la ligne de démarcation. Alors c'est très grave, parce que la nourriture vient du Nord, et à Vichy, autour de Vichy, enfin dans la France de Vichy, il y a là 12 millions de réfugiés. Ce sont les choses dont Londres n'a absolument aucune notion. Mais il y a 12 millions de personnes qui sont là. Une armée qu'il faut les mobiliser, des gens qu'il faut retourner. Ces gens, il faut les nourrir. Les chemins de fer sont détruits, les routes sont coupées, les villes sont en ruine. On a un peu oublié tout ça. Donc ça, c'est septembre 1940. Voilà. Donc Vichy est très, très angoissé parce qu'on ne peut pas nourrir les populations et s'occuper des Français. Les Allemands ont bloqué. Or, au mois de mai, revenons à la Syrie, Rachid Ali se soulève. Et Hitler avait toujours dit qu'il soutiendrait les révoltes arabes. Or, il n'y avait jamais pensé. Mais il ne peut pas ne rien faire. Donc il faut qu'il envoie des avions pour aider Rachid Ali. Et alors il va déléguer quelques appareils, 50 appareils, dont beaucoup de transports. Mais les appareils, quoi qu'ils soient à Athènes, car il a conquis la Grèce à ce moment-là, et même Chypre, ne peuvent pas atteindre Rachid Ali à cause d'une question de distance. Donc il faut trouver un aérodrome au milieu. Et les Allemands, tout d'un coup, à la fin, vers le 20 mai 1941, demandent aux Français « Est-ce qu'on peut atterrir en Syrie ?»
On est très surpris que les Allemands reprennent contact avec nous. Donc Darlan, qui à ce moment-là est Premier ministre, se précipite à Paris et rencontre les Allemands. Et il se dit « je vais les rouler ». Et il essaye de faire toute une manipulation avec les accords de Paris. Il revient à Vichy. Ces accords sont discutables et même dangereux. Il revient à Vichy. Le maréchal est très inquiet de ça. Il convoque les principaux de l'Empire, c'est-à-dire Végan, qui est dans le Maghreb, et le gouverneur général Boisson et Noguès, qui arrivent de Dakar. Et Végan est violemment opposé à Darlan. Ce sont des éclats qu'on entend à travers. Et finalement, les protocoles ne seront pas signés. Il n'empêche que Darlan va quand même se faire rouler, puisqu'il va accepter que les avions allemands fassent escale en Syrie. Donc c'est une position menaçante pour les Anglais. Les relations entre la garnison française de Syrie et la garnison anglaise d'Égypte sont excellentes. Car les liens, en fait, ne sont pas continus. Et quand Churchill demande à Wavell d'attaquer la Syrie, Wavell lui dit « je ne veux pas », parce qu'il a Rommel derrière lui. Et à ce moment-là, Rachid Ali est pratiquement écrasé. Donc il est en train de surmonter la situation. Il dit à Churchill « si vous m'imposez ça, je donne ma démission ». Et Churchill dit « ok, très bien ». Et alors Wavell va donner sa démission. Il sera nommé vice-roi des Indes. Et on va appeler Auchinleck à sa place. Cette guerre de Syrie va être imposée par Churchill. Elle est imposée par Churchill avec une force anglaise considérable à laquelle s'associe la petite force des Français libres. Si bien que c'est une attaque anglaise, une attaque... Churchill, qui est un ancien de Sanders, qui a fait la guerre des Boers, il se dit « voilà l'occasion ». Et je crois que c'est ça, sa véritable motivation. Il se dit « c'est le moment de prendre le Liban ». Et il va y donc avoir cette invasion en Syrie des forces anglaises, qui sont essentiellement australiennes, un petit peu indiennes, un petit peu britanniques. Il y a le Royal King's Rifle. Des Français libres. Les Gaullistes. 8%. C'est une petite force. C'est une petite force d'appoint. Mais évidemment, l'impact moral est tel qu'en France, on ne retient que ça. Mais objectivement, ce n'est pas très important sur le plan militaire. Oui, mais c'est Français contre Français. Voilà. C'est le côté qui nous a qui ne devrait jamais oublier. Ce conflit donc de l'été 41 se termine avec l'armistice de Saint-Jean d'Acre. Alors que vont devenir le Liban et la Syrie à la fin de la guerre, justement? Dans quelles conditions est-ce que les Français vont être contraints d'abandonner ces territoires? Les Français libres qui étaient en Syrie vont partir en Libye, d'où Birakem, etc. Et la suite, enfin... Ils se battent pour la première fois contre les Allemands, n'est-ce pas? Avant, ils s'étaient battus contre les Français à Dakar, au Gabon, en Syrie, partout. L'ennemi, ce n'était pas Vichy, c'était les Allemands. Donc ils vont partir et se battre remarquablement et admirablement à Bir Hakeim, c'est vrai. Donc il n'y a plus de Français là-bas que des quelques officiers qui font l'administration et les forces locales qui sont syriennes ou libanaises, qui ne sont pas très importantes, et puis un petit peu de forces indigènes, en particulier des Noirs. Voilà. Mais les Français ne restent plus là-bas. Il y a le drapeau français, mais les forces sont anglaises. Il y a 80 000... C'est un peu une base arrière anglaise, n'est-ce pas? C'est une possession anglaise à ce moment-là. Donc le général de Gaulle ne veut pas qu'on s'en aille. Il ne veut pas rendre ça aux Anglais, car il estime que c'est baisser le pavillon devant non pas les indépendantistes locaux, mais des étrangers. Ça sera la même politique en Indochine, d'ailleurs. Bon. Mais... finalement, on refuse de leur donner l'indépendance. La tension monte. Il y a un soulèvement syrien. On bombarde à nouveau Damas, comme l'avait fait Sarraï en 25. Et les Anglais vont entrer avec des automitrailleuses dans Damas, refouler les Français qui vont rentrer dans leurs casernes. Et à ce moment-là, la France s'en va. C'est en juillet 46. Et on s'en va dans les conditions absolument honteuse. On est vraiment... On reçoit un coup de pied au cul. Et voilà. Et c'est pour ça que la fête nationale syrienne célèbre le départ du dernier Français. Et alors, à partir de tout ce,
cette perspective historique que vous nous avez fournie, comment jugez-vous ensuite l'évolution du pays à travers le régime baasiste et surtout la guerre civile qui a commencé il y a maintenant plus de 3 ans? Écoutez, aujourd'hui, que peut nous enseigner l'histoire par rapport aux événements d'aujourd'hui ? Vous me posez une question en tant que citoyen et non pas en tant qu'historien, parce que personne ne peut avoir actuellement une opinion claire concernant la Syrie, sinon ça se saurait. Mais M. Poutine a une attitude tout à fait différente de celle de M. Obama ou de... M. Hollande. Oui, il s'appelle Hollande. Donc c'est un point de vue personnel que je vous donne là. Mon sentiment, après avoir survolé ces 40 ans de présence française, c'est que nous avons pris un pays qui était divisé, qui vivait finalement sous la tutelle ottomane, un pays qui n'avait, je vous l'ai dit, ni frontières, ni cadastre, une totale absence d'administration. Il y avait simplement une sorte d'équilibre entre les minorités. Nous sommes partis. Le système, après notre départ du bicamérisme et de la démocratie, s'est déglingué assez rapidement. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation qui est très comparable à celle de l'Empire ottoman. C'est-à-dire c'est une lutte entre des minorités qui se double aujourd'hui de cette lutte terrible entre les sunnites et les chiites et ce mouvement d'Al-Qaïda, n'est-ce pas, qui est un mouvement qui essaye de coiffer les autres. Mais on retrouve une sorte de désordre généralisé... alors que toutes les structures se sont effondrées, en particulier l'armée, je suis allé là-bas, j'ai été reçu par l'armée syrienne, c'est quelque chose d'assez désespérant, car ils n'ont que pied de l'Occident, que le côté brillant, mais où en fait les vieilles querelles, les vieilles jalousies restent là et on continue à s'assassiner, à se faire sauter des voitures. Et alors, ce que l'on peut constater, d'après vous, et ça vous paraît... un peu irréversible, c'est l'échec du nationalisme syrien, l'échec de l'idée d'une nation syrienne qu'ont incarné certains nationalistes syriens ou alors certains nationalistes panarabes comme les baasistes. Ça a été ça, une réalité pendant le demi-siècle qui a suivi en gros la Seconde Guerre mondiale. Pour vous, cette page-là, maintenant, est tournée. Oui, parce qu'il y a une chose qu'ils n'ont jamais assimilée, enfin, je crois, et j'en ai l'impression, c'est que pour gouverner une nation, il y a non seulement les politiques, et il y a ça qui les intéresse, mais il y a toute une infrastructure, des fonctionnaires intègres, des gens qui font marcher les chemins de fer, des gens qui font marcher le téléphone, qui s'occupent de l'eau, etc. Et tous ces techniciens leur manquent terriblement. Terriblement, parce qu'il y a une culture qui fait qu'ils n'ont pas cette infrastructure, comment dirais-je, rigoureuse, scientifique, je dirais, qui fait que la machine ne marche pas parce qu'on ne met pas d'huile dans les rouages, je veux dire. Simplement, il manque d'ingénieurs, il manque de médecins. Les Palestiniens, eux, sont beaucoup plus développés sur une question culturelle locale, car tout ça, ce sont des cultures juxtaposées. C'est un mot, on ne peut pas dire que c'est la culture arabe, c'est parfaitement absurde. C'est une idée que les Français avaient, c'est un pays arabe. Non, c'est pas un pays arabe, c'est un pays de culture juxtaposée. Et c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas, car en fait, ils ne s'intéressent qu'à la politique, qu'au pouvoir, et donc ils s'entretuent. Et Hafez al-Assad, qui est cet alaouite, qui est de la minorité du Sud-Ouest, a pris le pouvoir, a mis sa famille partout. N'est-ce pas ? Toute l'administration, l'armée est tenue par les alaouites. Donc les autres ne l'admettent pas. Ce n'est pas une question de parti politique, c'est une question de minorité. Et on se retrouve dans un désordre accru, hérité de l'Empire musulman et la France et l'Angleterre. J'en sais rien, je ne veux pas parler de la Palestine, naturellement. L'influence de la France s'est évaporée. On garde un bon souvenir. On est très bien reçu là-bas. Très bien reçu. Et est-ce que, pour terminer l'émission, est-ce qu'il ne serait pas urgent d'attendre pour la France avant de s'engager en Syrie ? Il ne faut surtout pas mettre sa main dans ce nid de frelons. On aurait la main dévorée et on aurait tout à y perdre. Ça serait une erreur politique considérable. On peut donc dire merci au président Obama d'avoir imposé une vue plus prudente à nos fauteurs de guerre il y a de cela quelques mois. Absolument. Bien, je crois, cher Philippe, que l'émission se termine. Tout à fait. Nous vous donnons donc rendez-vous la prochaine fois, la semaine prochaine, dans l'émission Passé-Présent pour parler d'histoire. À bientôt.